we're united. Kill the battery, but we can take the heat. Kill the battery, but we're the best and we don't hide it. Ready. Au moins vous êtes déjà plus en saccadé. On a encore quelqu'un qui parle là-bas. Bon, c'est parti, KTP 12. Comme pour chaque KTP, on a toujours une heure de retard. Alors, cette saison, on est plein, on est en team de 2, on est 32, donc ça fait 16 teams. J'entends un petit écho au passage. Ouais, c'est relou. Règles spéciales cette saison. Alors on va commencer par les règles standard, KTP standard, machin, potion de force désactivée, le reste et potion niveau 2 désactivée, le reste c'est standard, pomme d'or, blablabla. Au niveau des crafts diamants, seuls le plastron et les bottes en diamant sont autorisés. Vous pourrez pas crafter ni de pantalon, ni de casque, ni de d'épée en diams. J'en sais rien pour les pioches. Si non, les pioches c'est bon, je suis con. Et puis si vous voulez faire du en diamant, c'est bon aussi. Par contre, niveau règle spéciale, c'est qu'on a une vie commune. On va tous démarrer à 20 cœurs. On en a tous 20 cœurs, donc 2 barres de vie. Et chaque fois que quand vous prenez des dégâts, vous les transmettez à votre mate. Vous prenez un cœur de dégâts, votre mate va prendre un cœur de dégâts. Pareil, si votre mate prend des dégâts, vous prenez des dégâts. Attention, Friendly Fire activé. Donc si vous vous tapez, chacun prend un demi-cœur de dégâts, quoi. Tu vois, ça c'est violent. C'est vicieux ça. Il y a une seule règle un petit peu compliquée à comprendre, donc écoutez bien, même si je l'ai déjà dit dans la salle, c'est pour vous les viewers. L'absorption est à part, c'est-à-dire que quelqu'un qui a de l'absorption, s'il prend des dégâts et que ça enlève son absorption, ces dégâts-là ne seront pas transmis au mate. De même, la régène est séparée, c'est-à-dire que si je prends une pomme d'or, je vais régène deux cœurs, mais mon mate ne va pas régène deux cœurs. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Bien joué à toi. Ah oui, dernière chose c'est très importante. Si jamais votre mate prend des dégâts de telle façon à ce que vous risquiez de mourir, vous resterez un demi-cœur. Vous ne pouvez pas mourir à cause des dégâts de votre mate, vous restez bloqué à un demi-cœur et il faut prendre le dégât final, entre guillemets. Ok. Voilà, je crois qu'on a tout dit. On a des nouveaux, appuyez sur table comme ça. Il y a les nouveaux, c'est Madame Silverlight, il y a Thorl, il y a le retour de Tech, ça faisait longtemps. Ouais, on a le prof de bad, le prof d'histoire, on a... Qui on a? Ika, il a jamais fait de KTP, Luke non plus, je crois pas, je sais plus. Non, voilà, et puis après on a tous les autres classicos. Oui, on a Mouette aussi, il se cache, j'entends pas depuis tout à l'heure. Salut, ça va? Il est avec Pierre, t'es en train de fixer ta bite depuis tout à l'heure. Non mais c'est pas ma bite, j'ai le tape sur du blanc, comme ça on le voit bien. Elle a l'air petite, hein, là tu es obligé de te casser le cou. Alors oui, aussi, vous allez être surpris dans le tap parce qu'on a tous 20 cœurs, les 10 autres cœurs apparaissent comme de l'absorption. C'est un bug Minecraft, on peut rien y faire. Ça, ok. C'est ça. Pierre précise pour les viewers, c'est les Gentleman Rose que vous avez banni, etc. Pour que tout le monde soit au courant. Au niveau. Oh, ouais, pour ce qu'on a banni, utilisation de la canne à pêche autrement que pour pêcher, saut de lave dans le Nether. Et c'est tout. Et je crois que c'est tout. Il n'y a pas de pantalon ou de casque en diamant. Ouais, mais ça, je l'ai dit, ça fait partie des règles. C'est plus des règles, c'est pas de la Gentleman Rose, parce que ça, le craft est bloqué. Il n'y a pas d'épée en diamant non plus. Et il n'y a pas d'épée en diamant aussi. Ah ouais, voilà, d'accord, okay. Parfait. Ok, oui, on est parti. Oui. Où sont les cartes, s'il vous plaît? Parce qu'il n'y a pas de cartes, donc je. Attends, alors je vais. C'est bon, vous êtes tous prêts? Attends, ouais, juste deux secondes. Juste deux secondes. Attends, il n'y a pas le restart habituel? Non, ça va être une mauvaise saison du coup. Oh là là. Non, avant. Ça veut peut-être dire que j'ai mal. On a qu'une heure et demie de retard. On va finir à 2h du matin. Moi je pense qu'il y a moyen que les Silverlight butent les deux profs. Hein. Ok, ça va. Vas-y, lance ça. Faites comme les frères. Croisons les doigts. YOLO. Allez, ça marche. Bonne chance. Bon courage. Des bisous. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Les mieux toi, Fika. Des bisous. Ah. Oh la vache, les nombres de cœurs. Oui, on a plein de cœurs. Bon. Je fais ma petite intro. Bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau KTP si ça fonctionne. Tu es dans le vide toi aussi? Ouais, tranquillement. Je suis avec Épée du coup, vous l'aurez compris.
On vole, tout simplement. On attend. Et on attend. Alors, tu as vu, cette saison, elle va être... elle va être corsée. Elle va être corsée. Ah, ça y est. Et on tombe dans l'eau, plouf. Ouais, ça va, marrer. Toi, tu es où? Tu es là, ouais. Ah bah, on va bien se marrer durant cette saison. c'est la blague que je fais à chaque fois, désolé. Mais... Dès que je tombe dans un marais, je suis obligé de la faire. Bon. Ça charge petit à petit, très bien. Ok. Bon, en tout cas, on a déjà vainqueur, c'est déjà pas mal. Ah bah, on part vainqueur, hein. Bon, voilà. Je vais aller m'enterrer, moi, hein. Bon. Attends, l'arbre il se casse pas. Non, ça se casse pas. Au secours. C'est toi. Attends. Qui s'est cassé, que l'arbre se casse pas. Là, y'a un mec qui parle en plus. C'est Tech. Ok, le petit lag des familles. Oh là 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 là, j'arrête de bouger moi. Tant que l'arbre est pas cassé, je bouge plus. Moi je bouge plus non plus, hein. J'attends. Des dégâts sinon, j'aime pas trop cette histoire. J'arrête de sauter même, je sais plus rien, voilà. Ça se charge, ça charge. Ça charge tranquillou. Je pense que c'est bon, c'est réparé. Non. Ah, je vois l'arbre se casser, ça y est, il s'est cassé. Pas trop mal. Moi, il repop. Je suis bloqué dans l'eau, moi. Ah, c'est bon, c'est bon. Bah, remonte, hein, j'ai pas envie de prendre un coup pour rien. C'est bon. Donc, on l'a pas expliqué, enfin, si, je vais sûrement expliquer à nouveau, mais les dégâts sont partagés. Ça veut dire épée. imagine, je me prends un creeper. Je me prends également le creeper. Un creeper, voilà. Donc, on va jouer quoi? On va jouer safe, hein, je pense. Oui, oui. On va pas tenter le diable. Non, on va jouer safe. Je te propose peut-être de se rapprocher petit à petit là, en coupant les arbres de la côte, comme ça les pommes tombent pas dans l'eau. Ouais, effectivement. Et on reste Optimo. Optimo. Optimus. Optimus Prime. Et optimisé, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok, on va prendre de la pierre. Donc il nous faut. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de KTP bah, depuis la saison précédente là. Il me semble bien, moi qui ai eu un Top Gun ou un truc dans le genre au milieu. Bah, il date surtout. Mais L'ancien KTP, ça date bah oui, il date depuis un moment. Oh, c'est vrai que KTP, il n'y en a pas eu depuis longtemps, maintenant que oui. Tu me dis. En effet. Juste monter un petit peu le son, ça va sûrement s'entendre dans la vidéo, mais j'ai besoin de monter le son. Toc. Vite. Ah, j'entends voilà. Déjà du zombie. Bah écoute, j'allais te le rappeler. Vraiment, on va faire le plus attention possible. En plus, mes abonnés, vous me connaissez, moi je suis toujours du genre à foncer un peu dans le tas, engagé dans le fight et tout ça. Cette saison, je pense que ce sera pour moi un test parce que le but, ça va vraiment de ne pas faire ça, justement. De ne pas toi faire aussi, tu fonces dans le tas? Oui, souvent. Malheureusement, un peu trop, d'ailleurs. Ah, bah... bien non, mais plus. Là, on va pas le faire, tu vois. On va éviter. J'ai vu la canne à sucre, là-bas. Ah, good. Moi, je vais me faire mon fameux petit bateau que j'aime bien faire, toujours. Un bateau. Aller à la limite du World Border, la canne à sucre. Mais il y en a que deux, tu vois. Au pire, on la mangera. Oui, au pire, ça poussera, c'est pas trop et grave. Il y a des petits moutons là, j'avais pas pensé, mais il va falloir la nourriture. D'ailleurs, je ne vois pas ma nourriture. Quand on est en bateau, on ne voit pas sa nourriture. Ça, non. Je sais pas, ça. Ça, c'est je vais me baisser un peu le son du jeu, du coup. Voilà, tac. Bon, j'ai déjà dû faire. Hein. Bah écoute, pas mal. Moi, je m'occupe des pommes et tout ça si tu veux. Oui, vas-y, amuse-toi. Moi, j'ai mis des petits shaders et tout aussi pour cette saison. Ça devrait faire plaisir aux gens. Oh, il y a des vaches là, peut-être qu'on aura du cuir. Ah, vaudrait mieux. Écoute, deux canne à sucre plus des vaches, je la plante. Voilà, j'ai eu du cuir. Tu plantes quoi? Donc encore une fois, on va éviter... Là, tu vois, si je tombe, tu prends des dégâts de chute, donc je vais éviter de faire ça. Oui, non. Okay. La laine, ça sert à que dalle, je m'en sers pour grimper. Ah, c'est un bloc comme un autre après. Hein. Oh, tu sais quoi? Ouais. Le premier gravier que je casse, j'ai eu un flint. Je pense qu'on est bien parti pour cette saison. Ah. Voilà. Faut qu'on trouve du diams alors. Bah le premier diams que je casserai, il y en aura deux dedans. Avec le petit steak là, voilà, allez je reviens. Je prends mon bateau. J'ai déjà pas mal de bouffe finalement. Bah tant mieux parce que bon, je m'en rappelle dans normal. Une saison, il y a au niveau de la bouffe quand il y en a pas. Ah, il reste de la canne à sucre là-bas finalement, donc on est parfait. Bon bah c'est bon. Là-dessus on a ce qu'il faut, je vais aller chercher ça aussi. Donc plus on en a, mieux c'est, on pourra peut-être se faire des bibliothèques, des trucs comme ça. Ça va être intéressant, tiens. Est-ce que tu joues bien? Je joue bien. Ah, je suis comme toi, je fonce dans le tas. Donc, non, ça va, je joue bien. Bah, je suis souvent habitué maintenant au PVP 1.9, donc du coup, PVP 1.8, maintenant, c'est easy. PVP 1.9 que je n'ai absolument pas essayé de mon côté. C'est sympa. C'est mal, parce que je pense que j'accrocherai pas tant que ça, moi. Moi, j'accroche. Toi, t'aimes bien. J'aime bien. Je suis pas très PVP, mais depuis qu'il y a 1.9, c'est bon, je suis content. Moi, ce que je n'aime pas dans le PVP 1.9, parce que je n'ai pas joué, mais je sais un peu ce qu'ils ont changé, c'est la régène qui est beaucoup trop puissante, oui. Avec la nourriture maximum.
Ça, tu vois, j'apprécie pas vraiment. Non, ça, donc, je confirme. C'est une pomme avec... de notch. Quoi. Par exemple, tu vois, j'en parlais, je sais plus avec qui aujourd'hui, mais tu prends des dégâts de feu. Et si t'as ta régène au max, bah. Enfin, si t'as ta nourriture au max, tes dégâts de feu, ils te font rien en fait. Ils te font rien du tout. C'est ça. C'est voilà, pété. Donc, moi, j'ai eu toute la canne à sucre qu'il y avait dans la zone. Ah, good. Donc, moi, je suis à la couche quasiment 13. Déjà ? Ah bah. T'es plutôt efficace. Toc. Oh, bon, je vais me faire une optate de craft ici. Bon, l'inconvénient, tu vois, c'est que je n'ai pas beaucoup de bois et également. Oui. Quand tu veux, tu remontes. De toute façon, moi, j'essaie d'avoir les pommes. On va essayer d'en avoir le plus possible, peut-être. Ouais, est-ce qu'on tenterait pas? Ouais, c'est peut-être un peu tard, mais. Je me suis dit, limite, tu vois, c'est une saison où on a beaucoup de vie, c'est une saison où on risque de prendre beaucoup de dégâts. À mon avis, le mec qui trouve une jungle et qui fait des popos de soins, il est bien, tu vois. Bah là, il est tranquille, le pépère. Hein. Donc est-ce qu'on tenterait peut-être pas de... d'explorer un petit peu pas, et puis ruminer pendant 3-4 minutes. En plus, on se rapproche un peu du 0-0, histoire de pas avoir le faire en étant dans les grottes. C'est vrai que ça pourrait être sympa. Pourrait être sympa, je pense. Hein. Parce que là, actuellement, on est dans un marais. Juste à côté, il y a un extreme hills. Subtilement avoir du gravier. Ah, j'ai pas de demi-cœur de dégâts. Gravier. C'est bien ce que je disais. Ah, ah oui. Fais table au fait, j'ai pas du tout parlé de ça mais... Ah oui, les cœurs. C'est pas mal, c'est joli. C'est Noël. Des guirlandes partout. Mais ouais, sinon, Extreme Hill, Silverfish, pas trop testé. Ouais, on va éviter. Donc ouais, pourquoi pas une balade et puis au pire, ruminer ou revenir ici. Au pire, revenir ici, bien sûr, on peut toujours... On peut toujours revenir, ce n'est pas exclu. Pour l'instant, j'ai que, pas mal en de charbon. Côté diamant, tu vois, les diamants ne sont pas très utiles. On va dire que la course, elle se joue à les premiers qui vont arriver dans le Nether et pas les premiers qui vont être full gems. Je pense que ça va jouer là-dessus. Ça va aussi jouer sur les strongholds, il faut essayer de trouver des arcs. Enfin, disons que cette saison est un poil différente du coup des autres saisons. Alors, est-ce que des pommes sont tombées ici? Bon, bah du coup, je remonte un peu. J'ai 11 de fer, j'ai 22 de coal. Ok, il n'y a pas de pommes ici. Donc ça devrait aller. Après, je suis pas particulièrement chanceux sur les pommes, là, en général, mais... Regarde Edo et Roi, ils sont déjà dans la merde. Je vois pas où ils sont. Ah si, c'est incroyable. Ils sont plus que 4 cœurs, réellement. Ouais, en effet. Toujours pas de pommes, bon, je continue de couper. Non, y'a même plus d'arbres à couper, là. Sans doute un creeper, hein, qu'ils ont eu, c'est surtout ça. Ah bah, ça. Un creeper no stuff, oui, ça peut te faire mal, hein. Voilà, donc... Est-ce que tu as du... Ah non, mais j'en ai, moi, du charbon. Je vais chauffer... C'est bien fait. Hop. Ma nourriture, parce que là je suis déjà plus qu'à 3 gigots. Faut pas qu'on perde de la vie à cause de la nourriture. Hein, non. C'est le meilleur moyen de vraiment tout perdre. Ça serait con. Hop. Bon, évidemment, ouais, on a toujours le même bundling, mais on a le TS en même temps. Hein. Oui, c'est pour ça que tu étais loin et qu'on t'entendait. Et c'est bien, on a mis des tables de craft partout, on est la discrétion incarnée, tu vois. Personne ne sait qu'on est passé par là. Alors, je récupère les champignons, parce que si on arrive à faire ce qu'il faut au niveau des potions, on peut balancer du poison. Oui, écoute. C'est du genre à moitié sorcière. Oui, on peut le faire. Très. Alors. Bon, les pommes, c'est comme vous voulez. Hein. Non, mais là, j'ai pas eu de chance. Soit on tente l'autre côté du marais. Ce qui peut être bien, peut-être avant de partir à l'aventure, on fait les choses progressivement. Je te fais une épée en fer. Écoute, oui. Oui, on sait jamais, si on a besoin de se défendre tout d'un coup. Le PVP n'est activé qu'au jour 2, mais on ne sait jamais. Bon, contre les mobs, hein, généralement, ouais, ça part vite. Non, mais alors là, c'est assez foufou, ouais. Y a pas de pommes, en fait. On va aller dans l'autre endroit, de l'autre côté du... Ouais. Bastion, du coup. Tiens, je te drop peut-être. Merci. TP. Ah, on n'est pas pressé, hein. De toute façon, encore une fois, dans cette saison, on va la jouer. On va la jouer détente. Hein. En tout cas, ouais. Ah, une deuxième pomme ici. Good. Je vais pas manger tout de suite. Surtout que, ouais, si on prend des dégâts, on sera pas bon. Puis il y a plein de cannes à sucre de l'autre côté. Non ? L'autre côté du marais. Ah bon, t'en vois, toi ? Ouais, j'en vois un peu. Bah, viens, on y va, de toute façon. Allez, on va se faire des pommes. Je pense qu'il faut qu'on en ait au moins 4 chacun, et moi j'en ai 2. Ça me va. Ça. Attention qu'on se tape pas, là j'ai failli te taper par exemple. Oui, non. Attention. Allez, bah tiens, on fait des petits bateaux. Un petit bateau.
T'as de quoi en faire ou je te donne du bois? C'est bon, j'en ai un. D'accord. Par contre, je préfère largement le bateau de la 1.9. Hein. Très clairement. Qui est, je crois, en effet plus facilement maniable, il me semble bien, ouais. Et très rapide, surtout. Et plus rapide, oui, oui, aussi. Et puis, il marche sur la glace, c'est bien ça. Oui, et il se casse pas. Il se casse pas. Eh, il s'est pas cassé, lui. Ah si, il s'est cassé. Voilà, le mien aussi, direct. Bon, c'est dans de l'eau, je pensais que c'était pas dans de l'eau, moi. C'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe quand même? Oh, ouais, oui. Il nous faut les pommes. Je vais prendre des cubes pour m'en servir. Tac. Si tu veux de la cobble, j'en ai deux stacks. Je veux bien un stack de cobble, ouais. Oh, on sait jamais. Getting wood, c'est bien, là. Tu fais des achievements, c'est... Ouais. Ça progresse. C'était pas prévu. On des arbres, on va aller chercher la canne à sucre. Tiens, je te donne un stack de cobble. Merci. Je crois que ça se tombe pas si je laisse celui-là, je vais le couper aussi. Hop. Bon, au moins nous on aura un épisode lumineux, tu vois, ceux qui s'enterrent tout de suite dans les grottes. Oui, effectivement. Tout joli, tout beau. Ok. Là, il y a plein de canne à sucre. C'est ça qui est bien. Manquerait plus que les mushrooms et puis hop, c'est bon. Les mushrooms rouges, tu veux? Non, non, les vaches normales. Ah, les vaches. Après, c'est vaches, une... Ah oui, non, mushroom, oui, c'est ceux qui donnent les... Oui, non, c'est bon, c'est moi. C'est moi qui m'ai trompé. Tac. Une pomme. Hop là. Une pomme. Alors là, j'ai des tonnes et des tonnes de bois. Je crois qu'on va... on sera une petite maison, peut-être, hein, si on a le temps. Good. Un château fort, qu'on défendra. Je te laisse construire le château. Ouais, je vais faire des murailles comme dans FK, mais c'est bon, tout. Bon bah ça va. Est-ce que ça tombe les pommes là? Ah, je vais couper mon petit téléphone qui vibre. Tic. Ça tombe, est-ce que ça tombe? Pas totalement, j'en ai toujours deux moi. J'en ai qu'une. Non. Peut-être là ici? Non, non plus. Ils ont nerfé le taux des pommes ou quoi? Pomme vanilla du coup. Du coup je vais reposer le four pour faire chauffer encore la nourriture. Toc. Toc. J'allais prendre la canne à sucre là-bas aussi. Oui, moi je suis en train de couper quasiment tous les arbres. Un autre bateau en attendant. Toc. Ah bah moi aussi c'est je débloque les achievements. Bûcheron de père en fils. Les petits moutons là, on a jamais assez de nourriture de toute façon. Pour une fois qu'ils servent à quelque chose les moutons. Oui. De toute façon il y en a toujours beaucoup en plus donc. Pas plus mal que ça loot. Ça loot. Je regarde au passage hein, si on tombe sur une jungle par miracle mais je crois pas. Ouais, je crois pas non plus. Moi, de toute façon, on est pour l'instant dans les limites. Ouais, enfin, va s'avancer. Et encore un peu de canne à sucre. Ici, voilà, j'ai tout pris. J'ai vidé la zone. Ouais, franchement, niveau pomme, y'a rien. Hein. Non, 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 non. Pas très chanceux là-dessus. Pas ultra motivé de descendre sans au moins 3, tu vois, quoi. Ouais, malheureusement. Mais j'ai quasiment cassé ma pioche là, hein. C'est pas possible. Oh. Du. Ah, une pomme là-bas. Ouf. Tac. Bon, deux pommes. Il y en a une ici. Non. Non plus. Non plus. Bon, on ira. Est-ce que tu avais trouvé des grottes en fait ou pas? Non, c'était la vraie ligne droite. On va prendre des grottes alors peut-être. Oui, de préférence. Oh, t'as une autre pomme. On se fait attaquer, mais. Quand on a 3, j'en ai 2, on tente de se balader un peu. Ouais, ça sera préférable. Histoire de changer un petit peu ce qui se passe aussi. Et puis, ah tiens, il y en a une autre. Ah bah parfait, ça nous fera 3 pommes chacun.
Hop. Allons-nous balader du coup. Tiens. Toc, toc, toc. Toc, toc, et toc. Tiens, allez. Je te donne une pomme, je vais voir là-bas au cas où. T'as mis à quel endroit ? C'est moi, je l'ai. On propose qu'on aille. Vas-y, je te laisse regarder. Même si ça m'étonnerait largement, mais bon. Ouais, y'a rien. Bien ce que bien, je pensais. On va aller par là. Donc moi j'ai pris un petit peu de sable. Non, en fait, en soi, on a toutes les ressources qu'il faut, c'est là-dessus on est bien. Donc juste un peu de viande et puis ça devrait aller. Tu me vois un peu ou pas ? Non. T'es éloigné ouais, quand même. Reviens au niveau du four là que j'ai enlevé. Où es-tu ? Ah oui, d'accord. Là-bas. Vas-y, okay. Viens. Mais non, on s'éloigne des world borders. Oui, ce sera allez, préférable. On va s'avancer un petit peu. Je pense qu'on prendra peut-être la. Si on trouve une grotte, on va dans la grotte. Sinon, on essaie de voir s'il y a une jungle. Voilà. Parfait. Et puis, on essaie de prendre la nourriture au passage. Ouais, surtout que j'ai plus que. Voilà. Voilà, il y a une grotte, mais on serait un peu trop proche des world borders, je pense. On va éviter. Ouais, bien. Et puis si on trouve de la bouffe, généralement les. Oh, salut Enderman. Ouais. On va pas le titiller lui. Oh, le creeper, vas-y, cours, cours, cours. Cours, il arrive. Non, le fais pas, mec, prends pas de risque, on a dit qu'on prenait pas de risque. Bah, prends pas de risque là. Allez, viens. Cours, cours, arrête, on a vraiment pas besoin de le suivre. Je voulais me faire l'Enderman. Bon. On va éviter. Encore l'Enderman, c'est pas un risque si tu te mets bien, mais. Le creeper, on sait jamais. Un petit coup de lag et c'est fini. Oui. Regarde, il y a encore des vaches là-bas, si on va faire plus de livres. On va faire la bibliothèque. Good. Voilà, comme ça, il y a des moutons. Tac, tac. T'es où ? Je t'ai perdu de vue encore. Non, je suis derrière toi, t'inquiète pas. Je te suis. Ok. Ah oui, y'a quoi ? Bon, prochaine grotte qu'on croise, du coup, on y va. Good. Des vaches là, c'est une grotte ça? C'est une grotte là, mais je sais pas si elle va loin ou pas. T'as besoin de faire vendeur de laine, moi à force. Ah, t'as trop de laine toi aussi? Oui. Regarde, ça descend là. Descend, ça descend pas, c'est un cul-de-sac. Bon bah voilà. Okay. Puis en même temps, on est dans une extrême île. Oui, oui, oui. T'avais dit que tu voulais pas trop, mais. Je crois que c'est là où il y a le plus de grottes, j'ai souvent l'impression que c'est là où. Bah après, il y a pas mal d'émeraudes, donc du là, coup, tu si vois, on trouve a... un village. Il y a une grotte là, en dessous. Il y a une fuite, mais il y a une grotte. Et... Hop. Moi, je récupère des cochons, des vaches, de tout. Moi, côté nourriture, je suis bon. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dû faire là-dedans ? Même pas ! Impossible ça! Hop, du coup je te vois, t'es là-bas. Ouais, là c'est un cul-de-sac, ouais, ouais, mais mes grottes laissent tomber. Hein. Elles valent pas grand-chose. Ouais, finalement j'ai bien fait de pas descendre. Là-bas t'as une énorme cavité qui fait de l'ombre partout. Oui. Tellement stylé. Et... Ça va, y'a pas de mob. Mais... Ouais, y'a pas de mob, ça sert à rien d'y aller, de toute façon. Et on continue par là du coup, vas-y monte. Faut qu'on essaie quand même de trouver les grottes assez vite, je pense que vraiment côté bouffe là on a... Ouais surtout qu'il reste plus que déjà une minute 40. Ouais ouais, faut qu'on essaie de les trouver. Une minute 40. Peut-être des grottes là. Ouais ça. Ça a l'air un petit truc Alors, faut pas juger sur la taille comme ça. Ok, c'est un cul-de-sac. Non mais là, c'est peut-être pas un cul-de-sac là. Attends, on sait pas. Une chance okay, sur deux. Allez, on remonte. Pourquoi tu me suis à chaque fois? C'est toujours des cul-de-sac. J'ai plus rien. Il y a déjà des diamants l'autre là. Il y a une faille là, non? Non, même pas. Oh, je me barre, il est nul ce biome. Des trucs là, prends les plumes. Vite. Des plumes. T'as mon stuff est... quasiment plein de laine et autres. Bah ouais, c'est bien ça. Ah, un Dark Oak à côté. Ah voilà, ça descend là-bas, c'est bien, ça a l'air bien, on y va. Et go. Ouais, y a un marais, tu vois, ça change un peu. Ah, une plaine, bah c'est super. Ah, possible d'avoir des failles. Mais oui.
Encore de la canne à sucre parce qu'on en a pas assez, tu vois. Raison de plus. Ah, c'est une grotte, ça. Non. Ouais, c'est bien, c'est ce que je disais. Ah, ah. Ouais, mais il y a du fer, moi, je prends. Voilà, au moins, j'aurais eu du fer dans cet épisode. Je n'aurais pas été inutile dans cet épisode. C'est pas moi qui l'ai dit. Et ça continue, mais c'est peut-être un cul-de-sac, je sais pas. Après, si t'as trouvé la bonne grotte qu'il faut, tant mieux. De toute façon, on peut se séparer, hein. Oui. Pour les grottes. Ah bah. Fin de l'épisode. Non, c'est un cul-de-sac. Allez, bah, on se laisse sur ce cul-de-sac pour changer. À bientôt. Bidou.